Ok, sœur Esther, vous êtes de la G31 de Papa Moïse. Nous bénissons Dieu pour ça. Et nous pourrions savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvée aujourd'hui au sein de la JCC. Oui, moi je suis venue au travers de ma maman. C'était pas facile. C'était pas vraiment facile. C'était vraiment des combats. Et Dieu a fait grâce à ce que je puisse être là au sein de la JCC parce que le Dieu de la JCC est fort. Il a pu prendre mon cœur et voilà, c'est pour cela que je suis venue au sein de la JCC. Gloire à Dieu, le Dieu de la JCC est très fort. Il a pu prendre le cœur de notre sœur Esther et aujourd'hui elle est JCC. Alors qu'est-ce que ce Dieu de la JCC a fait dans votre vie pendant tous ces temps dont il a eu à occuper une grande place dans votre cœur? Oui, merci la sœur parce que le Dieu de la JCC... Il a pris mon cœur, j'étais une fille, comment je peux dire, donc j'étais rebelle. Au travers de mes parents, j'étais rebelle, j'étais impolie, j'étais insolente. Et c'est Dieu là m'a transformée, il a renouvelé des choses en moi. Donc ça n'a pas été facile. Je les remercie beaucoup vraiment pour ça, ça n'a pas vraiment été facile. Notre sœur Esther était jadis insolente, rebelle. Alors, vous pourriez nous dire concrètement, lorsque vous parlez d'avoir été insolente, vous étiez comment au juste? C'était comment? Ça s'est manifesté comment, votre insolence vis-à-vis de vos parents? Ouais, je n'aimais pas le Dieu de la JCC. Je ne l'aimais pas. Et puis, donc, ma maman m'efforçait. Je voyais à tel point qu'il m'efforçait, ça ne me plaisait pas. Ça me faisait de la sorte que je puisse être insolente, impolée envers elle pour qu'elle ne me dise même pas d'aller à la JCC. Mais donc c'était vraiment terrible. Mais grâce à ces dieux, il a pu convaincre mon cœur et c'est pour cela que je suis là. Nous bénissons Dieu qui a pu transformer notre sœur Esther. Alors la JCC célèbre ses 30 ans d'anniversaire. Que pourriez-vous dire à tous ces jeunes qui vous suivent actuellement à travers le monde concernant cette manifestation des 30 ans de la JCC? Ouais, je vous invite, le sœur de la JCC, même ceux qui ne sont pas dans la JCC, ceux qui sont ailleurs, partout dans le monde, qui essaient de dire, renouvelle des choses. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les dieux de la JCC n'échouent jamais et je les invite à venir parce que ces dieux ici vont encore faire de grandes choses. Il va encore accomplir de grandes choses dans nos vies. Il est le Dieu fidèle. Il va faire de grandes choses. Je vous invite à prendre part aux 30 ans de l'anniversaire. Ça s'est fait. Dieu va renouveler encore de choses nouvelles dans nos vies. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse.